mardi 29 juin 2021 à Accra, Alpha Condé et Macky Sall ont signé un important accord à marge de l'ouverture du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Les deux chefs d'État ont signé un protocole d'accord de coopération militaire et technique entre la République du Sénégal et la République de Guinée sous les regards de leurs pairs en vue d'une éventuelle réouverture des deux frontières. Au terme des consultations qu'il a menées, le leader du parti PADES est parvenu à s'entendre avec plusieurs partis politiques pour créer une nouvelle coalition de partis politiques en Guinée. La signature de la convention de cette nouvelle coalition, dont on ignore encore le nom, pourrait être faite cette semaine, mercredi ou jeudi, à la faveur d'une conférence de presse à Conakry. Deux jeunes hommes ont tué leur frère aîné puis brûlé son corps dans la préfecture de Siguiri. L'acte s'est passé le vendredi 18 juin 2021 à Nafagi, un district relevant de la sous-préfecture de Banco. À en croire aux informations données par le maire de la commune rurale de Banco, c'est à cause d'un domaine agricole que les jeunes ont commis ces crimes. Les nouvelles restrictions liées au COVID-19 portent un coup au commerce dans la capitale de Kinshasa. Bars, boîtes de nuit et terrasses contraintes de fermer par les autorités pour faire face à la troisième vague de la pandémie, plus virulente que les deux premières. Les bureaux de vote ont ouvert lundi 21 juin à 6h en Éthiopie où les électeurs sont appelés aux urnes pour les régionales et législatives. Il s'agit du premier test électoral pour le premier ministre Abiy Ahmed qui avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 d'incarner un renouveau démocratique dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, rompant ainsi avec ses prédécesseurs. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, ont décidé ce 21 juin 2021 d'autoriser des spectateurs locaux avec une jauge de 50% sur les sites de compétition et dans une limite maximum de 10 000 personnes selon un communiqué. Mais les compétitions pourraient se dérouler à huis clos si les infections au COVID-19 se multiplient de nouveau, ont-ils précisé.